Come, Timberland, a.k.a. Bill Drummond. You gon' get it crunk like me, Timberland. Or my n***a, a.k.a. Fat Man. We young team, the man, if I don't give a rap. Only say, oh, girl, say, ah. Look at the corn rolls up in the club. Girl, don't be bashful, girl, back it up. Do it, girl, like it's potent, man. Shake that, as fast as you can. White girl, shake it like you're burning from a suntan. My dog, grip it, grab it like it was a soda can. Before we start to turn it out, you must learn to... Going to club, be gone, we put the eye on her, back when we gone, I don't give it to the club, you know, with a club, man, we she was setting the sun, she was rocking down, she was pushing and popping, red going with a bop, she was stopping and dropping, hey, that's the part of the song where you need me, snaking and rocking, yeah, mad maybe so, right, still popping and rocking, left the wall, hands off the beat, yeah, moving the beat in your hand, trying to ball, boom, boom, show that I can show you dance, good, most girls, why you done lost your chance, yeah, stop the big pun, stop the big pun, drop the big girl, drop the big girl. Je dirais même balèze de chez balèze. C'est à vous de décider lequel des deux groupes ressortira d'ici avec les $600 de la casquette. C'est nous, c'est obligé. Vas-y. On se calme, juste une seconde, d'accord? C'est par vos applaudissements que vous désignerez le meilleur groupe de ce soir. Alors on y va, pour les Vix, j'écoute. Faites du bruit, allez, 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 plus fort.
C'est voté. Ok, pour le groupe de David et Elgin. Bien, bien, bien. Apparemment, l'argent de ma casquette ira au groupe de David et Elgin. Ouais, on a gagné. C'est quoi ces conneries? Vous avez 3 sur Eman. C'est bidon, clair qu'on était meilleurs que vous. Non. Écoute, bonhomme. Ne viens pas danser ici si t'as pas de respect. Il n'y a pas de ça chez nous, d'accord? T'as entendu le public, t'as perdu. Et si t'es pas content de ce résultat, tu te prends par la main, tu prends tout ton petit groupe, vous vous concentrez sur votre technique, vous revenez ici en force et on règle ça en adulte sur la piste. Hein? Ouais. Je ne veux aucune embrouille, moi, ici. Hein? Je me suis bien fait comprendre. D'accord, monsieur. Le premier que je prends à faire l'imbécile, il va entendre parler de moi. Ce soir, vous avez déchiré. Ouais, vous avez trop assuré. Merci. Mais il vous manquait quelque chose. Non, sérieux? Ouh. Et qu'est-ce que c'est? Moi et ma cop Toya. Elle est super bonne. On veut rouler avec vous. Ouais, je la connais. Elle est terrible. Et toi, tu t'appelles? Kiki. À 10h demain, on a répète. Je vous ferai passer un test. Cool, merci. Ouais, et même si elle danse pas, je vais... Eh, ma gueule, on était trop forts ce soir. Ils nous ont kiffés. T'imagines un peu le plan? Notre groupe au top, danser devant des milliers de fans. Eh, y'a un souci? Ça me gave que ma mère me demande tout le temps ce que je veux faire de ma vie. Elle bosse 2 fois plus vu qu'ils ont gonflé le loyer. C'est la merde parce que l'IA a été prise à Princeton. Eh, c'est sûr que c'est cool tout ça. Mais même avec la bourse, elle a pas les moyens. Là, tu vois, elle est coincée à l'université de Los Angeles. Elle bosse à côté pour économiser. Je suis dégoûté. J'ai vu Emerald au show hier soir. Quand il le faut, il le faut. Passe la balle. Et c'est parti, petit frère. Mais ça, sérieux, j'y crois pas. Moi non plus. Mais ce coup-ci, c'est la dernière. D'accord? Ça, je suis d'accord. Bon, ok, y a plus qu'à rentrer. Tiens, mes 2 petits danseurs livreurs préférés. Je savais que vous reviendriez. Et vous tombez pile poil. Mon dernier petit gars a dû rendre sa casquette. Il ouvre un peu trop la bouche. Tenez. On se mine de régler cette histoire. Tu sais quoi, on va bosser tard. Tu pourrais carrément te poser chez moi ce soir. Cool, on y va. Bonjour ma puce, je me dépêche, je suis très en retard. David et Elgin se sont endormis par terre. David? Dieu seul sait à quelle heure ils sont rentrés. Bon, ils ont l'air épuisés, laisse-les dormir. Lia ma puce, n'oublie pas de déjeuner. Moi. C'est un don, une bénédiction. Pas à marquer les paniers comme ça. Un gamin peut pas se dire, tiens, je vais apprendre. Non, c'est inné. Ce gars-là, c'est un phénomène, dont un mutant. C'est clair, il y a un des plus doués de la troupe. Il fait des trucs hallucinants. Le marquage individuel, c'est pas les plus. Salut, David. Lia. J'avais presque oublié que je dormais ici. Désolée, je t'ai réveillée. Je crois qu'une tasse de café te fera du bien. Alors, Elgin me dit que votre groupe est imbattable. Ouais, ça c'est nous tout crachés. Ça fait longtemps que tu nous as pas vus. J'ai un peu honte de le dire, mais... Ça doit remonter au mois de décembre. Vous avez fait un show au centre commercial de Fox Hill. Oh, tu déconnes, t'abuses. Les devoirs, les cours, tu sais bien. Plus le temps de s'amuser.
Quoi? J'en sais rien, juste que je trouve que t'es plus la même. Disons que ça fait quoi, 3 ans que vous avez déménagé pour Baldwin Hills? Arrête! Tu veux m'embarrasser, c'est ça? Bon, je dois partir travailler. Tu veux un taxi? Oh non, ça ira, j'y vais toujours à pied. Non, sérieux, vas-y, laisse-moi te déposer. Non, non, je t'assure, je travaille juste à côté, à l'hôpital de South Central. Je fais pas d'autres sports. Mais arrête, une fille avec un physique pareil doit faire 3 séances d'abdos fessiers par jour. T'es dingue. Tu peux marcher avec moi si ça te dit. Ok. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'aider à l'enfiler. David? Ouais? La porte. Ah, un mauvais sur ce coup-là. Non, pas assuré. On y va, la miss. T'es où, là? Je vais au travail. T'as vu Dan? Ouais, il est juste à côté. Tu me le passes? Tiens, Elgin veut te parler. Allô? Hé, tu fais quoi avec l'IA? Hé, hey, calme-toi, man, tu es juste en train de l'escorter, rien d'autre. Écoute, un petit blanc du comté d'Orange m'a filé une cassette l'autre soir après le show. Un Wade, je sais pas quoi, ça te dit quelque chose? Wade... Ouais, il a un pote qui s'appelle Max. L'été dernier, rappelle-toi, ils étaient en piste à San Diego. Puis on s'en fout, j'ai inquiété, c'est un gros pété de thunes. Pour dire, ce gars-là, il pèse des millions à la banque. Et pourquoi il t'a refilé la cassette d'abord? Aucune idée, du con, je t'attends pour la regarder. T'inquiète, je suis en route, là. Bon, il faut que je reparte. Merci de m'avoir accompagné. Peut-être qu'on se reverra bientôt. Hé, hey, qu'est-ce que tu foutais avec l'IA? On discutait, c'est tout, on s'était pas vu depuis un bail, y a rien. T'as raison, t'as intérêt qu'il se passe rien. T'as beau être mon pote et tout, mais quand ça touche à ma petite sœur, je pourrais tuer quelqu'un. Et relax. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un défi officiel. Pas un défi pour les gosses. La réponse à ta question. C'est du sérieux. Un défi à 5 000 $. Il vient de dire 5 000 $? Quoi? Les doigts dans le nez, ma poule. 5 000. Et nous, on mise 5 000 aussi. Votre groupe contre notre groupe. On vous laisse choisir l'endroit. Allez, on vous laisse choisir l'heure du crime. On va pas se contenter de vous dépouiller. On raconte que vous êtes les meilleurs. Eh ben, on va leur montrer qui c'est, en vrai. Tu parles qu'on va leur montrer. Va mourir. Faut aller le dire aux autres. On leur dira la battle ce soir. On va bientôt toucher le pactole, garçon. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. We're not just here. Let's talk about underground flavor. Hip hop make a change your behavior. Not for your rockin' real head, for your ravers. You don't know now, but you go find out. We be rockin' the snares and kicks. Freestyle fellowship in the mix. Afterlife bashman in the mix. You don't know now, but you go find out. I don't think that I'ma sleep tonight. My name is AC, I'm keep it tight. Them other fools just can't freak the mic, man. You don't know now, but you go find out. Who got underground on the road smoking hot. Who got the mic to serve you, bone book? Voyons lequel de ces deux groupes est votre préféré. Qu'est-ce que vous pensez de ces gars-là? Très bien. Et vous pensez quoi des autres? Si j'écoute mes oreilles, je dirais que les billets de ma casquette sont pour votre équipe. Nous avons un petit souci ce soir. Le groupe de David et Elgin est venu me voir au début de cette battle et ils m'ont dit texto, hé, monsieur Rad, on voudrait les affronter à qui tout double. La question est... Regardez-moi. La question est, vous comptez faire quoi? Hein? Tournez ça dans vos têtes, posez-vous, prenez votre temps, discutez-en entre vous. Blablabla, il y a du blé-blé, on se décide. Ouais, d'accord. Ça roule, en piste.
kicks. Freestyle fellowship in the mix. Afterlife, last man in the mix. You don't know now, but you gon' find out. I don't think that I'ma sleep tonight. My name is AC Alone, keep it tight. Them other fools just can't freak the mic, man. You don't know now, but you gon' find out. Who got? Connection. I'm rhyming to get rid of your imperfections. You don't know now, but you gon' find out. The who, what, where, when, and why. Legendary styles that we spit on the mic. Whether memorized or they improvised. You don't know now, but you gon' find out. Blow the faster doors, see the shack and doors spin. Open the door so we pack the floors. You were looking for a battle, but you fell into a war. You don't know now, but you gon' find out. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get ill. For the show, 3, 4, 5, 6, and 7 for the flow, 8, 9, 10, 11, add a couple more. I got 1001 ways that I can go. So have a seat, relax your feet, roll out, stand, walk, man, rock this beat. If you ain't got this, then you incomplete. Go feel this heat on your neck on the street, try to make this heat. Eh, hey, 2 secondes, Rico, faut qu'on ait une petite réunion, là. Oh. Écoutez, un gars blindé du comté d'Orange veut se mesurer à nous pour 5 000 $. Oh, du pognon à se faire, ou ça, ou ça. Eh, hey, Marty, si tu demandais à ton pote Oscar de venir danser avec nous, bah, t'es au courant qu'il fait plus de battle. Tu pourrais lui en parler quand même. Ouais, je lui en parle. Ouais, ça, c'est cool. Écoutez, là, c'est sérieux, OK? On va devoir s'entraîner tous les jours, même le week-end. Faut qu'on soit au point. Si vous êtes pas à fond le jour J, personne touchera ses billets. Est-ce qu'on devrait avancer de l'argent? David et moi, on allonge la mise. Mais on se partage 3 000. Et vous, vous éclatez le reste, ça roule? Ça me va. Je suis d'accord. C'est clair, toujours prêt pour encaisser. Moi, ça me va pas. C'est vrai, pourquoi vous vous feriez 5 000 chacun? On est un groupe. On gagne ou on perd ensemble. Et oh, c'est eux qui sortent l'argent. Ça, c'est vrai. Et alors, ils le récupèrent. Ces gens, ils font du fric sur notre dos. Eh, hey, Sony, pourquoi tu t'excites, mec? Écoute, Elgin et moi, on doit payer pour qu'on puisse s'entraîner au gymnase. Je sais pas, moi, je crois qu'on devrait partager les 5 000. T'as qu'à mettre 5 000 pour le défi et quand on aura gagné, on partagera tout. C'est bien ce que je pensais. Bon, vous êtes tous d'accord, on fait ça? Bien sûr qu'on le fait. Alors, je vais récupérer notre prime chez Monsieur Rod. Ouais. Dépêche. Ouais, d'accord. Hé, Rico. Ça va, petit ange? Les gars, là, sérieux, vous avez tout déchiré. Quand vous voulez, je danse avec vous. Tu rêves, tu vaux rien. T'as les jambes tordues. Hé, hey Rico, pourquoi tu traînes avec cette cervelle de tétard? Au fait, il a que dalle. Écoute, Renoir, pourquoi tu t'occupes pas de tes fesses? T'as rien à faire, le petit se fait déjà emmerder par la terre entière, mais ça se passera pas sous mon nez. Rico. Écoute, Sony, tu sais bien que ce petit est sacré pour Rico. Il tuerait le premier qui lui ferait du mal. Hé, hey Rico, je sais que t'es son dieu et que c'est ton fan club, mais franchement, c'est une vraie petite racaille. Et en plus, il danse comme un petit blanc. Allez, c'est bon, je me casse. Allez, viens, mon grand, je te ramène. Hé, hey, vous avez pas un petit creux, là? Allez, on bouge. Ouais, j'ai trop la dalle. Cette battle, c'était de la folie. Salut. J'avais dit que je te reverrais. Félicitations. J'étais dans la place. Oh, si j'avais su que tu étais là, je me serais donné à fond. Attends, je t'arrête. C'est pas parce qu'on est des amis d'enfance qu'il faut croire que je t'apprécie. Non, mais... Parce que je t'adore. Voici enfin venu le moment que vous attendiez tous. Beautiful fait son entrée. Non, attends une seconde. C'est lui, l'homme? Alors, ça va? Serait, il est craquant. Je te présente ma meilleure amie, la fofolle Beautiful. Ça s'écrit avec 2 L. On doit accentuer le L. Tu roules le L. Roule-le sur ta langue. Ah, Beautiful. C'est ça. Enchantée, miss. C'est un plaisir.
Qu'est-ce qui se passe? T'es pas au travail? J'ai une copine qui m'a remplacée. Tu sais, tu devrais pas te faire remplacer. Et toi, tu devrais te mêler de tes affaires. Ouais, allez, faut qu'on bouge. Eh, vous allez où? De quoi je me mêle? Viens. Bon, allez, à plus tard. Ciao. Ton prochain échou. Stand up! Stand up! Stand up! Bon, allez, bon, cette fois, c'est la dernière. T'avais déjà dit ça la dernière fois. Just like that. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. How you ain't gonna cut? Girl, I'm me. I'm the guy. Écoute, je m'en fiche, je vais rien entendre. CEO, you don't have the CID. I'm young, wild, and strapped like G.I. Lee. Blah! We ain't got nothing to worry about. Whoop ass, let security carry him out. Watch out for the medallion, my diamonds are reckless. Feels like a midget is hanging from my necklace. I pulled up with a million trucks. Looking, smelling, feeling like a million bucks. Oh, you know who you are, we're crazy. Seconde, bougez pas, j'arrive. Ça va, petit mal? Eh, dis, je peux jouer avec vous, pitié? La prochaine fois. Oh, merde. Bon, allez, écoute, va te calmer là-bas. Quand j'aurai fini, on ira se prendre une bonne glace, ça te va? Oh, ouais. Ça va? Promis. C'est reparti! Everybody. What up, my people, weeple? It's beat the cow to prequel. Shine up the desert eagle. Light up that extra lethal. I'm in that... Three of the two G's, I'm back with new trees. I rap the new sleeves, while y'all was just rapping. We get the set cracking, just like our neck snapping. Let's get this next platinum. What's happening, Def Jam? Remember Math Man? I heard your hand through the years when y'all was good Joe. Good Joe. Marché! Il a marché! Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes Miro, il a marché! De chialer, on n'est pas la NBA. Pas de raison pour tricher. En direct, enregistre pas qu'on est imbattable sur une piste de danse ou sur un terrain de basket. On finit toujours par vous moucher en beauté. Nous, on assure en tout, nous, tu vois. On est des intouchables, on est des boss. Sauf question, meuf. Je me suis fait la tienne hier soir. Oh, c'est le boxon, là, c'est pas du basket. On annule le point, c'est parti. Allez, on y va! Allez, j'ai joué la partie, j'en ai pas pour longtemps. On a été surpris d'avoir de tes nouvelles. Pourquoi? On savait pas que vous étiez prêts à vous faire battre. Personne ne nous bat. D'accord. On va se fendre la gueule. Au hangar 11, samedi soir prochain. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Ton groupe, mec. Pourquoi dans une semaine? Un délai d'une semaine. Pour faire quoi? Vous entraîner? Tu sais quoi? Nous, on s'entraîne pas. Nous, on danse. Nous aussi. Alors dansez. Ouais, on va le faire. Alors fais-le ce soir. Mon gros bébé. Ce soir, d'accord. Et je suis pas ton gros bébé. Venez à l'entrepôt de Rad, au coucher du soleil. Amenez toute votre bande de tâches. Et vous, amenez-vous avec les 5000. Bien, comme ça, on verra qui sont les tâches. Eh oh, David, amène-toi, faut que je te cause. Il se passe quoi? Dans quoi tu t'es fourré? On affronte Wade et son groupe. Ce soir. Quoi? Ils nous gazent, genre la pression. Ils disent qu'on a les jetons. Que dalle, mais toi, t'as pas peur d'eux? Tu rigoles ou quoi? Alors qu'est-ce qui nous empêche de prendre leur fric ce soir, hein? Rien. Sauf qu'on est loin d'avoir les 5000. Ouais. J'ai environ 2000 dollars d'émeraldes. Combien t'as, toi? Moi, j'ai dans les 1500. Tu sais bien, j'ai dû aller au centre commercial me ruiner. Alors ça nous fait 3500. Et comment on va trouver 1500 avant ce soir? Je me charge du fric. Toi, rassemble l'équipe, ok? Tu délires. Je suis toujours là pour toi, mon frère. J'avoue. Ah! Mamie! Hey, c'est mon bébé. Viens vite câliner ta mamie, mon chéri. Comment tu te sens, grand-mère? Ah, oh, tout va bien.
J'ai de l'arthrite dans ma jambe, j'ai bloqué mon dos au bingo. Tu te rappelles, quand je gagne, je balance mon derrière. Mon hypertension est en fait et je crois que je couvre la goutte. Mais comme tu le sais, j'ai horreur de me plaindre. Oui. Et toi, ça va? Ouais, je crois. Quoi? Il y a une fausse note. J'ai du flair. Tu as une vie sexuelle. Non, mais arrête un peu. J'ai talqué Popol, j'ai bien le droit de savoir. Écoute, tout ça n'a rien à voir avec ça. Non, je venais juste te dire bonjour. Confie-toi à ta mamie. Allez, j'écoute. Faut que j'en prenne de l'argent. Dis-moi ce que tu comptes faire avec. Et dis la vérité. Tu sais, un groupe voulait se foutre de nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Du coup, je leur ai dit qu'on les affronterait ce soir. T'as laissé parler ton orgueil. Ton grand-père t'aura au moins laissé ça. Mais au fait, tu veux combien? 1500. Ça en fait un pactole. Grand-père disait aussi qu'un homme ne doit jamais abandonner. Et t'es un beau parleur, tout comme lui. D'accord. Je vais fouiller sous mon matelas. Ouais, il y a du beau monde. Hey, tu m'avais pas dit que Sonny nous retrouverait ici? Je devais passer le prendre, mais il m'a sorti qu'il avait un taxi. Attends, je vais appeler chez lui. On peut pas se permettre de perdre, man. Hey, on n'a jamais perdu. Pourquoi on commencerait ce soir? Ça craint, personne répond. T'inquiète pas, il va venir. Tu vois, moi, je t'aime bien. Non, franchement, ça, Monsieur Rad. Quoi de neuf, champion? T'as la grande forme? Ça roule. Le monde de Monsieur Rad vit un jour sans nuages. Moi et vos 5 000 $ tout frais. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Pour une pièce, on se faisait la course. Quand je gagnais, on se ruait tous à la boutique s'acheter une glace qu'on partageait avec mes potes. Nos 5 000. Parfait. Je dois dire qu'il y a un peu plus de billets que ne peut en contenir ma casquette, alors j'ai fait venir un ami à moi. J'aimerais donc vous présenter Monsieur Chuck. Pour info, Monsieur Chuck est de la police. Il n'est pas en service. Il est juste ici pour veiller à ce que tout se passe comme il se doit. Monsieur Chuck, et si vous nous montriez un peu votre outil de travail? Ça parle à tout le monde? Bien, merci à vous. Merci, Chuck. On va tous faire en sorte que la cordialité et le bon esprit soient respectés. C'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est pas l'argent. Ce qui est important, c'est l'amitié. Alors peu importe ce qui se passera, victoire ou déroute, notre belle amitié restera intacte. Je ne veux voir aucune bagarre. On s'est bien compris? Hein? Ouais. Ouais. Génial. À vous de jouer. Regardez les gars, Sonny est là. Allô, Sonny. Ça va, Sonny? Hey, Sonny, qu'est-ce que tu fous, mec? J'ai oublié de te dire l'autre fois, on a un invité surprise, papa. Prince the SP is soon to be the king and we rip crowns, oh my body.
aucune bagarre. Personne ne joue à ça chez moi. J'avais parlé de cordialité, de bon esprit. Allez, on vous départage aux applaudissements. C'est bon, c'est enregistré. Vous êtes sourds, j'ai entendu, j'ai entendu. T'as les nerfs, ma poule. Quand vous voulez, on refait la même. On aimerait encore vous dépouiller. Encore. Reste où tu es, n'avance pas. Mais c'est pas juste. Vous avez triché, vous avez volé nos pas. T'as les boules? Parce que t'es tâche et toi, on vous a fumé. Et votre fierté, alors? Vous avez perdu le fric, on oublie. Vous n'allez pas vous morfondre jusqu'à la fin de vos jours. Et surtout, ne sortez pas en ayant perdu confiance en vos talents de danseur. Votre groupe s'est fait corriger ce soir, mais je vous ai vu en corriger combien d'autres, juste là, sur cette piste. Là, c'est votre tour. Écoutez ce que mon père me disait. Il me disait, souviens-toi, fiston, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. J'encaisse pas cette soirée, moi. Elgin, Elgin, Sonny va le regretter. T'inquiète pas pour ça. On y va. Dis-moi que c'était un mauvais rêve. T'as pas rêvé? Mais merde. Dis-moi que Sonny nous a pas doublé et que Wade s'est pas foutu de nous pour 5 000 $. Il y a moyen de récupérer une partie du blé ce soir. J'ai appelé Emerald, il a dit qu'on pouvait venir. Ah, ça c'est cool. Je l'ai toujours pas avalé, tu sais. Comment on s'est démerdé pour perdre 5 000 en 10 minutes, putain? Sérieux, qu'est-ce qu'on croyait? C'est juste que vous saviez pas quoi, Wade et Sega étaient pourris. Enfin, moi, j'en savais rien. Vous cherchez pas un nouveau gars? Et ton groupe, alors? Ils veulent bien danser s'ils sont sûrs de gagner. Alors ça marche, elle? David, je suis embauché? Évidemment. Cool, bon recrutement. Allez, on voit le ballon. Hé, oh, on fait des équipes! Hé, hey, arrêtez! Hé, hey, les équipes! Allez, arrête! Ah, ma gueule, faut que j'y aille. J'ai un truc à faire avant qu'on se voit ce soir. À quelle heure tu me prends pour aller chez Emerald? On se voit sur place. Quoi? On se retrouve direct là-bas. Tu sais que je suis du genre ponctuel. À 10 h pile, ok? Comme tu veux. Hé, hey, tu peux me dépanner de 20 $? J'ai que dalle. Anne, j'ai juste 10 $. Ah, tranquille. Allez, à plus, les gars. Allez, on joue. On se fait des 3 points. Qui tu t'amuses à klaxonner, là? Hé, hey. On est des dames, je te signale. T'es supposée nous dire « Excusez-moi, mademoiselle ». C'est David. J'ai vu. Excusez-moi, mademoiselle. Comment allez-vous? Tu vois, c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma meuf à son travail. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas quelque part? Je vais là où mon mec veut que je l'accompagne. Génial. Beautiful, tu voudrais qu'on te dépose quelque part? J'ai mon propre carrosse. Je te remercie. Amusez-vous bien. Allô? La pêche, Racham? Ouais. Tranquille, non, je suis cool. Je peux te rappeler, ça te dérange pas? Désolé. On n'a pas encore digéré la défaite et le coup de Sonny, ça nous prend la tête. J'aurais tellement aimé pouvoir faire quelque chose pour toi. C'est pas grave. Allô? Ça roule, Marty? Je vais te rappeler, d'accord? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu disais déjà? Ah oui, tu me disais que tu étais folle de moi. J'ai rien dit de tel. Non, mais tes yeux t'ont trahi. Une seconde, attendez. Oh, t'es chiant, la fin. Putain. Ouais. Toi et ton pote, venez ici plus tôt. Plus tôt? Quand ça, plus tôt? Maintenant, là. Maintenant? Eh, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Tu veux que je file le boulot à quelqu'un d'autre? Non, 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 attends. Non, non, j'arrive, ok. C'est juste... Allô? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais, désolé, mais j'ai un truc à faire. Je te phone plus tard. Allez, lancez Franck. David, tu fais quoi? Putain, mais t'es où? Ou tu viens d'éteindre mon téléphone? Oui, je l'ai éteint. Plus de sonnerie.
T'es avec tes copains tous les jours. Quand tu es avec moi, tu es à moi. Je vois que t'as du caractère. J'adore ça. If heaven was a mile away, would I pack up my bags and leave this world behind? If heaven was a mile away, or save it all for you? If heaven was a mile away, would I fill the tank up with gas and be out the front door in a flash? Alors ça, c'est la livraison du siècle, champion. On s'en sortira. Il est où ton pote? Oh, il avait un petit truc à régler, il me retrouve sur place. Was a mile away. Would I pack up my bags and leave this world behind? If heaven was a mile away, or save it all for you? If heaven was a mile away, would I fill the tank up with gas and be out the front door in a flash? Before reconsidering. Mais réponds, réponds-moi. Ouais, David, c'est elle, je suis chez le client. Mais où t'es planqué? On a avancé la livraison, tu merdes. Rappelle-moi quand t'as eu le message, ok? Mieux, ramène ton cul vite fait. Would you try to run inside when it opens? Would you try to die today? Would you pray loud and finally believe in his power? Even if you couldn't see, but you could feel, would you still doubt him? How would you start acting? Would you try to put the keys down? Thinking every drug sale that you make in the streets, he can see now. Would a fiend even want to get high? Would he stop smoking? If he knew on his own two feet, he could just stroll in to get away and escape from the craziness. And I bet you there's a heaven for an atheist. It's hard taking this racist planet where they take a younger brother in a handcuff. Even if he innocent, you can get on the car, put your motherfucking hands up. Thinking I'ma lose it. My mom's in chemo 3 times a week, yo, keep trying. But people is hard and God, your young soldiers not sober but need you. This world's my home, but world, I would leave you. If heaven was a mile away, would I pack up my bags and leave this world? Il fait nuit dehors, quelle heure il peut être? Oula, j'avais rancard avec ton frangin. 8 messages? Hey, on veut faire exploser ma boîte. J'espère que c'est tes copains. Allô? Quoi? Et il va bien? Bon, dites-lui de rester tranquille. J'arrive vite fait. Elle? Elle, tu vas bien? On est venu dès qu'on a eu le message. C'est maintenant que t'arrives? M'adresse pas la parole. Je veux même pas t'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, tu m'as laissé en galère ce soir. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Ouais, je vois qu'emballer ma sœur, c'était plus important que ce qu'on avait à faire. Non. Toi, tu la fermes! Je veux juste te dire, on se tape plus dans le dos. On n'est plus potes. On n'est plus rien. Et sur la vie de ma mère, tu sortiras pas avec ma sœur. Écoute-moi. Hors de question que je t'écoute. J'ai éteint son téléphone. J'aurais pu être tué tout à l'heure. Et toi, tu vas rester devant moi à jouer son avocate? Tu vas rentrer et plus te comporter comme une salope. Hey, un peu de silence. Hey, et toi, tu lui parles autrement ou t'auras affaire à je moi? Je parle comme je veux à ma sœur, ça te regarde pas. Barre-toi, dégage de ma vue. Hey, non, mais... Hey, gars. Je vais devoir vous demander de sortir. Bonne idée. Vénère, t'as vu? Il est surtout, rassure-moi, tu négocies pas sa sœur en laissant se démerder seul. Eh, je suis pas comme ça. Je suis désolé, gars, mais t'es comme ça. C'est vrai, tu t'es fait down, tu t'es fait chandrella. Et aussi les triplés, la Tisha, la Tasha, mais t'es sans pitié avec moi, sérieux. Reconnais-le. À chaque fois, tu nous lâches pour une petite gonzesse. Non, pas cette fois-ci. Je l'aurais jamais fait. Elia, c'est pas qu'une petite gonzesse. Ah, c'est bon, ça me saoule. Daf, tu me casses. Sitting here, guess I didn't make bail. Got time and a story to tell. Started when I was 9 years old. Woke up and daddy was gone. I started hustling and they couldn't tell me nothing. Frontin' in the hood, trying to be somebody. My soul was on empty. Pourquoi tu restes assis dans le noir? Je pense. Tu penses à quoi? À plein de choses.
terminé le basket. La danse avec mon groupe. Elle est morte, ma jambe, c'est fini. Elle sera plus comme avant. Eh ben, rester assis pendant 3 jours d'affilée, fâché contre le monde entier, ne changera rien. Tu sais, tu devrais appeler David. Mais tu délires, je suis dans la merde à cause de pourquoi lui. Pourquoi tu l'accables comme parce ça? Parce qu'il est occupé à te draguer en oubliant qu'il avait un business. Mais je t'ai déjà dit que... Emerald, il s'en fout de savoir pourquoi David s'est pas pointé. Son seul problème, c'est de savoir où est la thune que je me suis fait dépouiller. Non, dis-moi plutôt où trouver le fric pour rembourser Emerald. Mais peut-être que David peut lui parler. Il veut t'aider. Non, laisse tomber, j'ai besoin de l'aide de personne. Je vais gérer Emerald. Et d'où tu sors que David veut m'aider? Je t'avais pas dit de pas t'approcher de lui? Arrête, ne recommence pas. Tu vois pas qu'il joue avec toi? T'entends, t'approches plus de ce mec. Hey Dave, le petit arrête pas de me saouler, il veut faire partie du groupe. Arrête, il sait pas danser. Ah, je pourrais l'entraîner. Il pourrait être une sorte de mascotte. Ouais, ça c'est une idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ok. Dis-lui de venir. Hé, hey, approche un peu. Alors, Rick? Il est trop mignon. Bon, bah t'es des nôtres, ça y est. Félicitations. Pour de vrai? Ouais, c'est vrai, Moustique, t'es dans le groupe maintenant. Ouais, c'est cool, je suis comme toi maintenant. Et souviens-toi de notre marché. Plus de grossièreté, plus de conneries ni d'embrouilles. Fini les mauvais plans. Et je veux plus te voir avec les petits voyous qui te servent de potes, d'accord? T'as entendu? Les petits voyous en question sont dangereux. C'est promis. Bon, allez, demain à 6h, entraînement. On fait comme ça. Allez, sauve-toi. Allez, la mascotte. L'un de vous a parlé à elle? Non, il refuse de me répondre au téléphone. Pareil. Et moi qui essaye de lui tendre la main. Da, je te dis pas, tout le monde raconte que c'est mort entre vous. Lâche l'affaire. Il y a plus important, t'as eu Oscar ou pas? Alors, il accepte de danser avec nous? Je t'ai dit qu'il a laissé tomber les battles pour de bon. Il s'est mis à la danse classique, il est à fond spiritualisme et tout le bazar. Mais il y a rien à faire pour le convaincre, t'es sûr? Allez, ciao, je vais me faire quelques rebonds. Tu me suis? Non, ça va aller, mais je vous rejoindrai tout à l'heure, ok? Y a pas de soucis, ah, on fait comme ça. On y va, Moustique? Ton copain t'en veut à mort. Tu lui as dit que j'avais appelé? Oui, mais il part en vrille dès que je prononce ton nom. On est potes depuis trop longtemps pour que ça s'arrête comme ça. Surtout, ne lui dis pas que je te l'ai dit. Mais Elgin a des problèmes. Quand ils ont sauté sur mon frère, ils ont volé la marchandise d'Emerald. Alors ça s'est passé avant qu'il arrive chez Emerald? Tu pourrais pas parler à Emerald? Mais de quoi? C'est le genre de gars qui discute pas. Faut que je l'aide, faut qu'il récupère l'argent. J'aurais dû être avec lui cette nuit-là. Lia, qu'est-ce que tu fous ici? Hé, hey, t'es fou ou quoi? Et qu'est-ce qui te prend? J'en ai marre, tu dois me respecter, attention! Et toi, tu me respectes peut-être en mettant... Rentre à la maison! T'as pété un câble ou quoi? Hé, hey, à quoi tu joues, toi? T'es malade? On essayait juste de t'aider, on se prenait la tête pour toi. Et toi, tu nous fais ton numéro? Vas-y, pousse-toi. Lia! C'est prêt. Tu sais ce qu'on dit? Un chocolat chaud, ça met du baume au cœur. Qui a dit ça? Moi. Quand c'est chaud et chocolaté, tu sais, c'est forcément bon. J'arrive pas à croire que ton frère ait osé te toucher. J'aurais enlevé ma chaussure et je l'aurais maté. Tout va de travers. Non, tu crois? Arrête de te tracasser avec tout ça, t'es amoureuse. Tu vois, David est différent des zigotos avec qui tu traînes d'habitude. Et Beautiful s'assure que tu gardes les pieds sur terre. Une histoire d'amour à la Mary G. Blige. Tu te rappelles, j'étais pareille avec Boo. C'est le nom de tous tes petits copains. Russell Boo? Tu te souviens, c'était mon premier amour. Et j'ai eu aussi Toby Boo, et là, mon Lamar, c'est mon Boobie-Boo. Bref, c'est pour te dire que je connais le vrai visage de l'amour, d'accord? Et tu es amoureuse, chérie. Et devine quoi? Tu peux rester ici aussi longtemps que t'en as envie, parce que tu es ma sœur, et tu sais quoi? Je t'adore.
merci, Beauty. Je t'en prie. Maintenant, je vais prendre ma valise de maquillage et on va se faire une soirée de poudélie entre filles. Sedatives that'll give average letterman calluses. Reckon with savageness, catalyst battling rappers. The stagger right after the dagger is left on the cherishes. Enough is enough is enough, and I'm busting up out of this shell. An eruption, eruption, you're scratching. Je vais bientôt te rendre ton argent, mamie. Chut. Je remercie le ciel que tu sois en vie, Dieu soit loué. J'ai du mal à mamie, croire que quelqu'un. Ça va? Eh, tiens donc, mon futur docteur. Alors, les cours? Ah, j'aurais pu faire mieux mes examens, mais. Il y a un tas de choses qui se bousculent. Oh, Rod, je suis la mamie la plus fière du monde. Je m'inquiète pour toi et ton frère. Votre maman m'a dit que vous vous adressiez plus la parole. Écoutez-moi, quel que soit le problème, je veux que ça se termine tout de suite. Vous allez vous parler, compris? J'ai dit tout de suite. Il m'a frappée. Et j'ai rien fait. Tu es fou. Qu'est-ce qui t'a pris? Où t'as appris à lever la main sur une femme comme ça? Alors demande-lui de plus approcher David. J'ai bien l'intention de le voir. Ose et tu verras ce que je vais lui faire. Et puis tu sais quoi? C'est bon, t'as gagné. Je ne le verrai plus jamais. T'es content maintenant? Bien sûr. Je te déteste. Léa, ma chérie. Visse ton cul sur cette chaise. Tu vas laisser cette fille tranquille. C'est bien de vouloir protéger ta sœur. Mais même si elle fait une bêtise, tu dois la laisser faire. C'est comme ça qu'elle apprendra. Tu as saisi? Je t'ai posé une question. Elgin Barrett Eugene Smith, troisième du nom. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Parfait. Bon, il faut que je me sauve. Viens par ici et soutiens une vieille femme jusqu'à sa voiture. Mes pauvres pieds sont si enflés, on dirait que je marche sur l'eau. Au revoir, mon poussin. Dépouillé. Écoute, je comptais t'appeler dès que j'aurais eu ton fric. Je voulais éviter de t'embêter avant ça. J'ai essayé de te joindre 10 fois et tu n'as pas daigné me rappeler. Non, enfin, je veux dire... Oh là, t'as envie de causer? Je t'ai pas dit de l'ouvrir. Quand je cause, t'écoutes. En fait, je veux pas savoir où t'as l'intention de récupérer le fric que tu vas me rembourser. Mais je sais une chose. Tu vas faire un effort violent dans ce sens. J'ai pas raison. Là, tu causes. D'accord. Et si je bossais pour toi? J'ai résilié ton contrat, t'es plus mon coursier. Comment être sûr que t'as pas toi-même monté le plan pour me voler? Mais je savais même pas... Et je ne fais confiance à personne! À mes yeux, t'es coupable. Jusqu'à preuve de ton innocence. Et je veux mon fric. J'aurai ton fric. C'est ça que je voulais entendre. Je vais même te laisser me dire quand je pourrai avoir mon fric. 6 mois. D'habitude, je donne juste 24 heures. Mais j'ai eu ton pote au téléphone. Il m'a supplié de ne pas te découper en morceaux. Je vais te laisser quelques semaines. N'essaie pas de me rouler. Sinon... C'est le fauteuil roulant. Et adieu, la danse, c'est clair? Tu peux disposer.
three, four, fizzle came through and I'm blazing out the dough. Hey, Dab. Marty, continue. Alors, Pépère, Pêcheman. Ton nouveau groupe craint, sérieux, mais d'où tu les sors? Eh, d'où tu critiques mon groupe, toi? Allez, va t'asseoir. Tu crois pas que ta loyauté envers Elgin va un peu trop loin? C'est vrai, si tu te mets avec Marty et moi, ils s'en tapent. J'ai besoin de toi. On doit affronter un groupe dans quelques jours. Tu veux pas te faire un peu de maille? Je suis toujours là quand il y a du blé à se faire, mais là... J'ai vu Elgin l'autre jour, il a aussi un nouveau groupe. Sérieux? Ouais, et je vais te répondre la même chose qu'à lui. Ça le fait pas trop. C'est vrai, toi et Elgin, vous êtes Shaq et Kobe. Ensemble, vous cassez la baraque. Il suffit que t'en enlèves un pour que ça coince. Tous les deux, vous êtes mes potes, mais je reverrai jamais le groupe d'avant. Le petit et moi, on va devoir aller voir ailleurs. Vu l'attitude d'Elgin, c'est pas demain qu'on redeviendra potes. Bon, allez, Franja, faut que j'y retourne. Pas okay de problème. Allez, toi, on bouge. Fais de beau, champion. Oh, on passe le temps. Oh, ton t-shirt, il déchire. Tu l'as acheté où? Ben, Rico me l'a offert. Et on dirait qu'il te gâte, toi, pas vrai? À fond. Ça reprend quand? Eh, fais gaffe. Je sais qu'on est plus potes, mais je compte pas supporter longtemps tes provocations. Si tu l'avais pas laissé tout seul, il aurait aucune raison de te provoquer. J'y suis pour rien. Et ça se passe entre mon pote et moi. Mais c'est plus ton pote. Allez, respire, Vic. Pourquoi tu cherches l'embrouille? Alors, tu fais quoi maintenant? Ouais, là, tu fais quoi, là, mon pote? Eh, non, stop. Faut arrêter vos conneries, vous deux. Vous vous battez contre le mauvais ennemi. Employez plutôt toute cette haine contre Wade et sa bande. Je veux vous ouvrir les yeux, retrouver l'amour qui vous liait, parce que tout ça, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Les moustiques, on se casse. Ouais, on se casse. Ouais. Quoi de neuf, Rick? Le Big Bounce, voilà ce qu'il y a de neuf. Tiens, ouvre les yeux, lis ça.
$50,000? Non mais t'as vu ça, juste assez de fric pour changer de vie. Et l'occasion d'apparaître dans un pur clip vidéo. Bref, on peut se faire une pub top mortelle. Et se faire du fric? Mais ouais, pile pour nous, c'est du sur-mesure, il nous attend. J'ai prié pour qu'un truc comme ça me tombe dessus. Je dois un paquet de fric à Emerald. En plus, je trouverai pas d'autre moyen de le rembourser. Et je pourrais même rembourser ma grand-mère. Faut absolument que je gagne. Ah ouais, c'est à notre portée. Mais t'auras besoin de David sur ce coup. J'ai pas besoin de David. Tu crois que Wade et son groupe seront là? Tu sais bien qu'ils seront là. Ils se vendent déjà que le Big Bounce est à eux. Non, pas cette fois. Wade ne gagnera pas. Le Big Bounce est à moi. $50,000? Et une occasion d'être dans un clip vidéo. Ça, ils font monter le groupe d'origine, obligé. Rashan, Sainte, Elgin. Quoi? Non, pas elle, merci. Ça me gaffe trop qu'il me casse. Je vais gagner ce fric et je lui filerai une partie. Comme ça, je lui devrai plus rien. Mais c'est juste la fin de l'histoire. On se voit plus tard, d'accord? $50,000, c'est chaud! My soul feels stained, I can't explain, gotta itch on my brain. Lately my whole aim is to maintain and regain control of my mainframe. My blood's boiling, it's beating out propane. My train of thought's more like a runaway train. I'm in a fast car, driving in the fast lane. In the rain, and I might just hydroplane. I don't fear none of my enemies, and I don't fear bullets from Uzis. I've been dealing with something that's worse than these. I'm making more than your knees, and that's the anxiety. Sur MTV avec Lala qui vous parle depuis le Palais des Congrès de Los Angeles dans le sud, baigné de soleil de la Californie. Je suis entourée de danseurs participant à la demi-finale du Big Bounce, la plus hip-hop des compétitions. Et ça se passe en vrai, en live, que du vrai de vrai. Je vais vous tenir informés de ce qui se déroulera ici tout le long de la journée. Monsieur Rad, je voudrais vous présenter mon ami Beautiful. Salut Beautiful. C'est Beautiful avec deux L. C'est un plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe entre David et Elgin? J'ai beau essayer de discuter avec ces deux têtes de lard, c'est comme si je causais au mur. Qu'ils cessent de se comporter comme des idiots. Une seconde. Alors vous êtes content d'être là? Nous sommes en présence des meilleurs groupes de Los Angeles et des environs qui s'affrontent pour remporter $50,000. Vous imaginez? $50,000 pour de vrai? Monsieur Rad, je m'inquiète vraiment pour Elgin. Ma grande, tu sais que je connais chacun des jeunes du quartier depuis qu'ils sont nés. Alors s'il y a une personne à qui tu peux te confier ici, c'est Monsieur Rad. Dis-moi tout. Elgin doit une grosse somme d'argent à Emerald et... Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter, ma mignonne, parce que j'ai déjà réglé cette histoire. Mais comment? J'ai un ami, un certain monsieur Chuck, et ni David ni Elgin n'ont le moindre souci à se faire. En gros, disons que... Monsieur Emerald a, comment dire, changé d'avis. Mais comment vous l'avez... Monsieur Rad est au courant de tout. Il sait tout ce qui se passe dans son quartier, comme tu peux le voir. Il a tout arrangé. Merci. On devrait le dire à David et Elgin. Cette affaire leur fait vraiment perdre les pédales. Oh non,
laissons-les encore perdre les pédales pour l'instant. Ça leur fait du bien. Ça leur mettra du plomb dans la tête. S'ils ne s'unissent pas dans cette galère, le petit Wade, ou je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, va encore repartir avec le fric. Ça, j'en suis sûr. Aujourd'hui, mais seulement 5 seront en finale du Big Bounce qui aura lieu demain. Et j'ai découvert que les vainqueurs feront une apparition dans le prochain clip d'une artiste au top des ventes. Vous n'allez pas me croire. Lil Kim, c'est pas bon ça? Qu'est-ce que vous en dites? Hé, hey, c'est le groupe de Dave derrière. Tu devais pas venir? C'est un peu leur mascotte, non? Ouais, c'est sûr, mais j'ai pas vu le petit de toute la journée. Belle inconnue. Bon, écoute, s'il y a de la cervelle au menu ou n'importe quoi à base de bon sens, tu devrais en commander. Pas ce soir. Quand alors? Il faut que quelqu'un dise à Algin et à lui à quel point ils peuvent être ridicules. Je te jure, je vais monter un de ces petits groupes, je ferai un clip vidéo et je me ferai des sous. Beauty. Quoi? Tu veux bien nous laisser une minute? Tu veux que je m'exile à une de ces tables comme une pauvre solitaire au regard vide et tout et tout? C'est ça. J'arrive tout de suite. Bien. Je voulais m'assurer que tu allais bien. J'irais beaucoup mieux si on était ensemble. Écoute, je veux pas te mettre en colère. Mon groupe a perdu contre elle. Même si en ce moment on est fâché, au fond de moi, j'ai pas les boules. Je voudrais qu'il gagne. Il en a besoin. David, t'as vu Rico? Je crois qu'il est avec elle et Vic. Ils répondent pas au téléphone, putain. Il faut que je retrouve Rick, on a tiré sur Saint. Quoi? C'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en voiture avec Lanky et Buck quand un mec a fait un carton sur eux. Saint, t'es blessé? Est-ce qu'il va bien? Aucune idée, il aurait reçu deux balles, mais l'hôpital refuse de donner plus d'infos. Il faut qu'on trouve Rico. On y va. Je viens avec vous. Non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ton frère, d'accord? Fais-moi confiance.
Madame, tu vas voir mon petit frère. C'est quoi son nom? Tisha Miller. Nous, on l'appelle Lil Saint. Ouais. La famille de Tesham est partie il y a une heure. Bah en fait, c'est pas vraiment mon frère, mais impossible d'être plus proche. Écoutez, il doit le voir, okay? S'il vous plaît. Allez vous asseoir dans la salle d'attente. Bon, allez, amenez-vous. Comment va Saint? Vous l'avez vu? Pas encore. On peut faire quelque chose? Non, on veut juste voir Saint. Ah, on est là pour voir Tesham. Jeunes gens, je crois que vous devriez en discuter avec sa famille. Je voudrais pas être impoli, mais on est sa famille. J'apprécie votre sincérité, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous voulez une attestation? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai, quoi, il mange dans ma pioche, je lui paie des fringues, je le protège des embrouilles. Je suis plus proche de ce gosse que n'importe qui. Docteur, laissez-moi entrer juste une seconde. Je veux juste qu'il sache que je suis là. Je sais qu'il veut me voir. Écoutez, on va attendre à l'extérieur. Laissez entrer Rico, d'accord, docteur? S'il vous plaît. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais... Tesham est décédé il y a quelques heures. Une balle a transpercé un poumon en occasionnant une grosse hémorragie. Nous avons tenté de l'arrêter, nous avons essayé de le réanimer. Il était parti. Hélas, il n'y avait plus rien à faire. Je suis sincèrement désolé. Oh non, putain! Mais laissez-moi, je veux le voir! Connor! Oh putain! Non. Calme-toi, calme-toi, mon gars. Toi, je m'accroche. Tu sais, j'ai réfléchi. J'étais tout le temps derrière Lil Saint à lui répéter l'importance de l'amitié et qu'on devait faire attention à ses amis et à sa famille. Et tu sais ce qu'il aurait dit? Il aurait dit comme Elgin et David. Je veux participer à la compétition. Tu sais que t'es le bienvenu si tu veux danser dans mon groupe. Je veux pas juste danser dans ton groupe, je veux gagner. Bah, c'est bien l'objectif, on va revenir avec un petit chèque. Mais c'est pas seulement le fric. Je veux être le mec que Lil Saint voyait en moi. La perte de Lil Saint t'a pas ouvert les yeux, la vie est trop courte pour tout ça. Sois réaliste, on a besoin de David, on doit former une équipe. Oui, mais on peut pas le faire avec David. Tu pourrais. Je lui ai demandé de passer pour que je puisse lui parler. Il croit que tu es chez grand-mère. Tu veux dire que Rick et toi, vous m'avez piégé? T'appelles ça comme tu veux, mais faut qu'on en finisse avec cette histoire. Salut. Salut. Alors, bien ou quoi? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je suis passé chez Saint, j'ai vu sa mère. Elle est pas super bien. Ouais, je sais, je viens de lui rendre visite. Pourquoi vous m'avez fait venir? Pour que Elgin et toi arrêtiez de vous faire la guerre. Elle, je te souhaite bonne chance, ok? À plus. Mais qu'est-ce que t'es têtu? Attends un peu, écoute ce qu'il a à dire. On n'a rien à se dire d'abord. Et on n'avait pas du tout envie de se voir. Cette guerre est stupide, égoïste, et elle affecte de nombreuses personnes. Rico et les autres vous suivent depuis des années. Il mérite une chance de gagner cette compétition, non? Et tu dis toujours que t'aimerais pouvoir aider maman. Si tu gagnes, tu en auras les moyens. Tu ne gagneras pas la compétition sans David, et tu le sais très bien. S'il vous plaît, faites-le au moins pour Lil Saint. C'est vrai, quoi, il aimait ce groupe. Et si je l'avais laissé participer à la compète avec l'un de vos groupes, il aurait pas été dans cette voiture avec ses potes, et il pourrait être là avec vous. Mais le règlement est clair. On ne doit pas toucher au groupe. On doit finir la compétition avec le groupe qu'on avait au départ. Merde, c'est mort alors. Je suis désolé, Rick. David dansera pas avec nous quoi qu'il arrive. Souhaite bonne chance aux autres de ma part. Take it to the floor. Salut, salut à tout le monde, c'est Lala et vous êtes sur MTV. Regardez-moi ça, est-ce que vous voyez tout ce monde? Ah, ça rigole plus, c'est le deuxième jour. C'est la finale du fameux Big Bounce. Les 5 meilleurs groupes sont encore en piste. Et un seul groupe empochera les 50 000 dollars tout à l'heure. Et un seul groupe aura la chance d'apparaître dans le nouveau clip de Lil' Kim. Allez, regardez qui ils ont laissé entrer. Qu'est-ce que tu veux?
Tu comptes pas nous ressortir vos phrases qui puent le vieux, j'espère. T'as bouffé un clown ou quoi? Mais tu rigoleras moins tout à l'heure sur la piste. T'as raison, on verra bien qui rira le dernier. Si vous voulez savoir qui sera désigné meilleur des meilleurs groupes de Californie, restez branchés sur notre chaîne et vous le saurez. Ça va, Vic? Qu'est-ce qui se passe? Elle voulait que je lui communique le nom officiel du groupe. Alors, t'as dit quoi? Eh, Renoir, pour l'instant, faut se mettre au boulot. T'inquiète. T'as les genouillères? J'en ai une paire à sortir. Vous êtes prêts, vous? Tranquille. Alors, prêt? Je suis prêt. Cool. Ça, c'est de l'ambiance. Mesdames et messieurs, vous êtes venus pour vous régaler. Quel que soit le groupe victorieux aujourd'hui, un conseil, souvenez-vous d'eux, enregistrez leur visage parce que la prochaine fois que vous les verrez, ils seront dans le clip vidéo de Lil' Kim. Faisons une ovation à Lil' Kim! Maintenant, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, je m'appelle Wade Robson. Merci. Pour info, je suis le chorégraphe de certains des plus gros clips vus sur MTV. J'ai travaillé avec des artistes tels que Britney Spears, NSYNC, Pink, Mia, Usher. Mais j'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire que ce que ces groupes ont fait ici, d'accord? Alors applaudissez comme il se doit le groupe de Wade! Merci pour eux, merci, merci, merci. Bien, ensuite nous avons les Bug et ses Boys. Vous êtes les meilleurs! Nous avons les Folles Furieuses. Le Pitbull de Pomona. Et pour terminer, les Lil Saints. Eh bien, inutile de vous faire attendre davantage, mesdames et messieurs, que le spectacle commence! Let's get it on. Une super compétition. Je suis trop contente de ne pas être dans ce jury parce que ça va être une vraie mission de les départager. Ça va être une décision très très difficile. Tous ces groupes sont fantastiques, pas vrai? Ouais, vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Voyons la décision des juges.
c'est ridicule. Je refuse. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Les deux groupes étaient terribles. Ils ont vraiment assuré. Et apparemment, nos deux groupes sont à égalité. Avec ces mecs-là. Allez, vous filles. Parce qu'on est meilleurs que vous. Meilleurs que vous le serez jamais. Attendez, écoutez-moi. Ne me dites pas que vous allez faire ça à ces petits jeunes. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, c'est beaucoup plus que ça. C'est Tyson contre Holyfield pour eux. Il doit y avoir un vainqueur. Il a raison. Je suis avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je disais? Allez, chacun dans son coin. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Écoutez, mademoiselle Kim, faites-moi confiance, vous devez laisser les deux équipes se départager par une battle. Ça marche comme ça, un groupe face à un autre groupe, comme ça se passe dans les quartiers. Une battle? Ouais, c'est ça. Je vois ce que vous voulez dire. C'est ce que je voulais dire. Bon, écoutez-moi. C'est une battle qui désignera le vainqueur. Les deux groupes s'affronteront devant vous dans une battle comme ils le feraient dans leur quartier. Écoutez, les gars, donnez-vous à fond. Soyez sans pitié, soyez tordus. Une battle pure et dure. Et pure et dure à quel point? Comme tu le sens, mon bébé. Une battle de voyous. Aucune règle? Qu'est-ce que tu crois? Tu danses jusqu'à la mort. Aucune règle. Comptez inviter d'autres personnes dans la partie? Quoi, ça te pose un problème? Eh, il n'y a pas de souci. Je répète, aucune règle. Tous en piste! Et Oscar, c'est cool, mec. Merci d'être venu. Je croyais que c'était fini, les battles, pour toi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pour Lil Saint et ton groupe, car c'est juste l'amour. Merci, c'est cool. Et Marty est trop génial. Ouais. Je sens que ça va le faire. Il manque encore un mec, d'après mes comptes. Nickel. Allez, dis oui. Non, on est complet. Elle, je t'en prie, frangin, oublions tout ça. Laisse-moi te filer un coup de main. Écoute, ou bien c'est David et nous tous, ou bien c'est personne. Tu te rappelles quand on parle de nous, on parle d'une équipe. Ok. Je vais vous donner le programme. La musique va tourner pendant 5 minutes. Lorsque je crie stop, on s'arrête. Ensuite, le public se chargera de désigner qui va empocher le fric et qui va passer dans mon nouveau clip. Alors, que le meilleur groupe gagne! DJ, laisse tourner et que ça chauffe. Bon, écoutez les gars, écoutez bien. Seigneur, maintenant que Lil Saint est à tes côtés, nous te demandons de le bénir. Nous te demandons de bénir sa famille, ses amis, son groupe. Donne-nous la force nécessaire pour remporter cette battle. Amen. En ton nom, nous prions. Amen. Lil Saint, nous allons tout donner pour toi. Get mine if you agree or can't go to get
shaking my feet to storm. Here we go, Ashley, you don't stop. They wanna ride something with a room, don't stop. Look, baby, you fine, but your girlfriend's not. And as you wanna hold out, get into the phone. I ain't gotta be part of the crew. Vos deux groupes étaient incroyables. Vous allez me trouver ridicule, mais bordel, mon cœur bat 100 à l'heure, c'était dingue. Bon, maintenant, nous sommes à deux doigts de savoir quel est le meilleur groupe sur scène. Tout d'abord, je veux vous entendre applaudir Wade et son groupe. D'accord, d'accord, pas mal. Calmez-vous un peu, d'accord. Ensuite, les Lil Faith. Moi-même, sommes fiers de vous présenter les Lil Faith,
qui remporte le Big Bounce et le chèque de 50 000 dollars. T'as réussi, frangin. Non, on a réussi. Ah, mon pote. Bravo, félicitations. Ouais. C'est tout, c'est ta copine, non? Ça pue la magouille, merde, on a gagné. C'est pas encore fini. Mais si, t'étais où, gros bébé? Vous avez les boules, parce qu'aujourd'hui, toi et tes tâches, on vous a torché. Torché, 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 torché. What's my name? You can't hang, believe you can't, but you're in the right place. If you came to get spanked, we break you off to the track from Big Chain. No holding back, cause trust me, I came. Get down, bro. Professional, and if you ain't dope, you're about to know it. 1, 2, 3, 4. Moves are moving, you're broke like you ain't never been broke before. Now let's go. Let's go. You want it, then you better get ready, cause this what you're gonna get. Anyway, you want it, we can take it to the window, to the wild. Okay. Break it down, break it down. See, mine isn't all I'd wore. I bet you leave it with your back sore. Cause I got what you're looking for. Have them coming back like, give me some more. I'ma get down, bro. Professional, and if you ain't know, you're about to know in 1, 2, 3, 4. Moves are moving, you broke like you ain't never been broke before. Now let's go. You want it, then you better get ready, cause it's what you're gonna get. If you leave it up to me, I'm down to get down with you. Wiggle it, jiggle it, turn it all around with you. Oh, let me get the money. Don't freeze me, easy, it's cool. Let you go, do that thing for me. Let it go from your head to your shoulders. Get a drink and come over. After that, we gon' dance to the rover. Back it up, clap it up, switch it up, change it up. Do that thing for me, do that thing for me. Flip it up, give it up, I'ma rip it up while you rip it up. Do that thing for me, do that thing for me. Oh. Give me a minute, what a swig of this spam juice. I'ma be in it when I'm in it, there be no use. For games, no game, I don't need a lot, I got this on lockdown. You're so down,